La Ligue nationale de basket a le plaisir de vous présenter le match numéro 2 des quarts de finale, Cropez. Une grande soirée de basket, une vraie ambiance, une belle première mi-temps aussi. 5 points à la mi-temps, c'est encourageant. Je crois que tout le public nantais croise les doigts. L'Hermine s'est fixé des très beaux objectifs cette année. La soirée de ce soir montre qu'ils sont en passe d'être atteints. Moi, je veux tirer un coup de chapeau à l'ensemble de l'équipe, son président d'abord, parce qu'un club, c'est aussi un président, toute l'équipe autour, le staff et les joueurs évidemment, parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Je crois qu'en matière de sport de haut niveau, il n'y a jamais de hasard. À ce niveau-là, c'est le talent et le travail et le talent. Alors bravo à tous ceux qui ont permis ça. Avec une grande hâte de pouvoir mettre tout ça en évidence à notre gardière. Je crois qu'on a tous hâte. La métropole a des vraies ambitions en matière de sport de haut niveau. La métropole est riche du sport de haut niveau et notamment du basket. Donc oui, forcément de l'impatience. Franchement, là, je suis juste dégoûté, là, franchement, deux années de suite, 2 fois on perd au premier tour. J'avoue qu'en trois saisons de pro, je fais 2 fois les playoffs, je perds 2 fois au premier tour, donc ça me fait un peu chier. Après voilà, on a fait deux gros matchs. Bon, Lazare, ils sont pas au-dessus de nous, mais ils ont réussi là où on a échoué, quelques détails, quelques schémas de jeu où ils ont pu trouver des défaillances et nous on n'a pas réussi en fait. Donc ça s'est joué sur les détails. Il y a 1 an et demi quand je suis arrivé là, c'est vrai qu'on partait un peu de loin, un peu de rien. C'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir faire 2 années consécutives sur les playoffs, de vivre des moments géniaux avec ce groupe, que ce soit l'année dernière ou cette année. Et c'est vrai qu'on passe encore à côté d'une qualification en demi-finale. On avait la place, à l'aller, on avait la place au retour. Forcément, il y a beaucoup de regrets. C'est sûr que pour moi, bah, c'est sûrement, non, probablement même mon dernier match professionnel. Donc bien sûr qu'il y a énormément de choses qui se passent. Voilà, je suis content d'avoir partagé ça avec les supporters, avec la ville de Nantes. Je suis content de terminer ma carrière dans une ville comme ça. Et surtout avec l'ambiance qu'il y a. Et je suis content, je suis fier des gars. On s'est battus jusqu'au bout. C'est vrai qu'on est déçus parce qu'on savait très bien qu'il y avait la place. Et c'est voilà, dommage. J'espère que le club va continuer à grandir. J'espère que... voilà, il va y avoir de la continuité parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire de bien dans cette ville, il y a vraiment quelque chose à faire de bien dans ce club. J'espère voilà, que j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice pour que le club puisse grandir et s'affirmer pour l'année prochaine et les années à venir.